magnifié. Je traverse par des situations. Seigneur, je sais que tu es capable de faire quelque chose pour moi. Et lève la voix ce matin. Et commence à donner ton Dieu. Oui, Seigneur, je remets à toi-même ma situation. Prie ce matin. Pendant que tu es là. Et dis-lui, Seigneur, je sais que la situation n'est rien. Que la mer va t'engloutir. Cette maladie que tu lui traverses n'est pas pour t'emmener à la mort. La situation que tu vis n'est pas pour t'emmener. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci encore ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais te dire ce matin de garder ta foi. La situation que tu traverses n'est pas pour t'enterrer. La situation que tu vis n'est pas pour t'enterrer. Mais c'est juste un moment que Dieu permet pour te propulser vers une autre dimension de ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin la puissance de Dieu? Dis-lui, c'est fini au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas t'asseoir un peu. Nous allons partager le repas de Dieu. Il est ce matin à table avec nous. Oui, comme il le faisait avec ses disciples. Il prenait le repas, il rompait le pain, il le distribuait à ses disciples. Ce matin, il est là encore pour nous partager le pain. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans un moment. Just une prière, of prayer, un esprit de prière bien sûr, of prayer, bien disposé, God, connecté à l'Esprit de to Dieu. Be to the Spirit of God. Parce que la Bible déclare que là because où il y a l'Esprit de Dieu, the Spirit of God is, il y a la liberté. There is freedom. Et crois déjà que tu es dans la liberté, you are in the freedom, parce que tu es dans la présence de Dieu. You are in the presence of God. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Let's take the Bibles. Ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un qui a perdu le goût de la vie. Et qui pense que pour lui, il n'y a plus de solution. For him, there is no more solution. Ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un qui pense que la situation qu'il vit, situation is living, il n'y a plus rien à faire pour lui. Nothing to do. La mort est mieux pour lui. Death is better. Je veux te dire non. I
I said no. Non. No. C'est un moment que tu traverses. It's a time that you're crossing. Mais ce temps passera. But this time will be over. Le vent de ta délivrance est arrivé. The time for your deliverance has come. Le crois déjà. And trust that. Tu vis le moment de ta délivrance. The situation of your deliverance. Nous allons prendre nos Bibles. Let's take the Bibles. Je vais te révéler comment vaincre les brûlures. Reveal you how to overcome toughness. Oui, mon thème de ce matin. My theme this morning. C'est comment vaincre les brûlures. How to overcome toughness. Vous savez. You know, il y a l'épreuve, we have toughness, et il y a l'attaque. And we have attack. Amen. L'épreuve est différente de l'attaque. Toughness is different from attack. L'attaque, c'est quoi? What is it signifie attaquer une personne? What attacking to one? J'attaque parce que je veux détruire, je veux tuer. I want to destroy or kill that person. Voici pourquoi je l'attaque. That's why I attack him. Mais quand on éprouve, but when we are, c'est différent d'une attaque. It's different from attack. L'épreuve est différente d'une attaque. Toughness is different. Éprouver quelqu'un, c'est quoi? What does it mean to put someone in toughness? C'est faire suivre un test à quelqu'un. It is to test someone. Je t'éprouve. I put you in that toughness. Parce que je veux voir la sincérité de notre union. Of our link. Je t'éprouve. Our union. Parce que je veux voir la sincérité de l'amour que tu portes pour moi. Of love that you je t'éprouve pour voir le domaine dans lequel tu es. Est-ce que réellement tu maîtrises ce domaine? If you master it, je t'éprouve really, pour voir to see, si réellement to see really, quand il va se présenter une situation difficile, situation will come, tu ne vas pas m'abandonner. If you're not given up. Donc je peux éprouver ta foi. So I can put your faith in. Et c'est ce que Dieu fait avec l'homme. It's what God is doing with this. Dieu éprouve par moment sometimes, pour voir your toughness si à un moment donné tu ne vas pas lui tourner dos. Si réellement tu le vois dans ton cœur, il va permettre par moment des situations pour voir la sincérité de votre union. Donc l'épreuve est différente de l'attaque. Attaquer, c'est surprendre avec des agressions en vue de tuer, ôter la vie. Alléluia. Alléluia. Mais éprouver. C'est faire suivre un test pour voir someone, just to see si tu mérites cette place. That place. Alléluia. Il a été organisé un concours dans un collège. A competition had been organized, un concours d'anglais. School. Et donc English chaque classe devait donner un participant. Alléluia. Mais on ne prend pas le plus faible pour aller en compétition. Alléluia. Le concours, ce n'est pas pour les plus faibles. Oh, le concours, c'est un test qu'on te fait suivre. Alléluia. Amen. Le concours a été organisé dans l'école. Alléluia. On a recruté les meilleurs en anglais. The best. Et ils sont allés en compétition. And they went. Et parmi eux, and among them, il y aura un meilleur encore. The best. Donc ce the best. Meilleur, the best, c'est first. Lui qui est le meilleur des meilleurs. Is the best. Regarde quelqu'un, dis-lui, je suis meilleur des meilleurs. Tell it to your neighbor, I'm the best. Dis-lui, je suis parmi les meilleurs. I'm among the best. Si on t'a éprouvé, c'est que tu es parmi les meilleurs. Among the best. Si tu passes un moment d'épreuve, c'est que tu es parmi les meilleurs. On n'éprouve pas le plus faible. Don't put the weaker. Qu'est-ce qu'on gagne en lui? What can we get? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre en éprouvant le plus faible? By putting il est déjà faible. Toughness, il ne peut plus rien. Mais c'est le meilleur qu'on éprouve. Alléluia. Donc si tu traverses un moment d'épreuve, crois que tu es un meilleur. Alléluia. La situation que tu traverses n'est pas une situation qui va te conduire dans la tombe. La maladie n'est qu'un moyen que Dieu the sickness is just permet a way pour pouvoir to permit you glorifier son nom. Alléluia. Donc dis à quelqu'un ne pleure plus. No regarde-le, dis-lui ne pleure plus. Cry no more. Dis-lui ne pleure plus. Cry no more. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Let's take the Bibles. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. On va partir à partir du verset 7. Let's take the verse. So, verse Job, le chapitre 1, à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ce matin? Je veux qu'à la fin de mon message, tu sois rassuré que tu ne seras plus la même personne. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Job, chapitre 1, à partir du verset 7. Chapter 1, from verse 7. Oui, alors.
Job 1, verset 6. Oui, à partir du verset 6, c'est ce que j'ai. Oh, les fils de Dieu. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi. Et Satan aussi est venu. Also came among them. Et l'Éternel dit à Satan. Et l'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit. Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre. From, je viens de parcourir la terre. Et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. Donc Dieu va dire à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Regarde parmi les enfants qui disent qu'ils me servent. Il y a un qu'on appelle Job sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je n'ai pas vu son semblable sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Croyant Dieu, fuyant Dieu, et se détournant and turns away from evil. Se détournant et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière de dire que Job est Dieu? Oui. Ne l'as-tu pas protégé? C'est parce que tu l'as protégé. Lui, sa famille, sa lui et toute sa famille. Et tout ce qui est à lui. Tout ce qu'il possède aujourd'hui, toutes les richesses. L'œuvre de ses mains. C'est parce qu'il a des richesses que tu crois qu'il est avec toi. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et tout ce troupeau couvre le pays. Verset 11. Mais étends ta main. Mais étends ta main. Touche à ce qui lui appartient. Et touche à ses richesses. Oh, je suis sûr. Et je suis sûr que celui-là, il va te maudire. L'Éternel dit à Satan. Donc Dieu va dire à Satan. Voici. Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Et seulement ne porte pas la main sur lui. Mais seulement, la seule condition, s'il te plaît, ne porte pas la main sur lui. Oui, Satan s'est retiré de devant Dieu. Et donc Satan s'est retiré. Lui, il a fini son entretien avec Dieu. Amen. La Bible dit que pendant que Dieu était en réunion avec ses enfants, en ce moment, Satan aussi est venu se présenter à lui. Et donc il a remarqué qu'il y avait une autre présence parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Donc il va dire à Satan. Il lui demande d'abord où tu es first of all, where did you come from? Il dit je viens de parcourir la terre. Yes, come to. Alléluia. Alléluia. Il dit mais la terre que tu as parcouru là. The earth. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Not my servant Job. Amen. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Not my servant Job. C'est quelqu'un, il a ma crainte. Is fear. Il me sert avec intégrité. Il a la foi. Et nul ne peut le détourner de sa foi. Vous savez, le diable nous connaît. Alléluia. Ne pensez pas que le diable ne nous connaît pas. Le diable connaît la sincérité de notre union avec Dieu. Le diable connaît la sincérité de notre marche avec Dieu. Alléluia. Donc il va regarder Dieu. Il va lui dire, lui, là, c'est parce qu'il est béni. Il a des richesses que tu crois que réellement il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Sinon, il suffit de toucher un peu à ses richesses et tu verras s'il ne va pas te maudire. Bien aimé. Le diable nous maîtrise. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils voient quelque chose, un intérêt quelque part. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont vu que quelque part ils peuvent trouver un moyen pour s'enrichir. Celui qui a la crainte de Dieu ne regarde pas d'avoir la richesse. Celui qui a la crainte de Dieu ne regarde pas la bénédiction qui doit venir, mais regarde d'abord, il cherche d'abord le royaume des cieux, la sincérité de sa marche avec Dieu. Alléluia. Donc il va avoir cette conversation entre Dieu et Satan. Dieu va dire à Satan, et du moins Satan va dire maintenant à Dieu, il va lui dire, permets-moi, donne-moi le temps de toucher un peu à ses finances. Donne-moi le temps de toucher un peu à tout ce qu'il possède sur la terre, et tu verras réellement si celui que tu crois qu'il est avec toi, s'il ne va pas te renier. Alléluia. Alléluia. Un couple vivait ensemble. Amen. A couple un couple vivait ensemble. Le monsieur était comblé de bien. And the man was really rich. Il avait tout. He had everything. Rien ne lui manquait. Nothing. Alléluia. Il travaillait. Donc un jour, il dit, je veux voir la sincérité, si ma femme m'aime réellement, je vais être convaincu que ma femme est avec moi. Si je traverse des situations difficiles, elle ne va pas me tourner le dos. Elle ne va pas me laisser avec les enfants pour partir. Dans ce jour-là, le monsieur s'est entendu avec son patron. Et son patron lui a donné une note où il est écrit que c'est fini, tu es viré de l'entreprise. Alléluia. Tu es licencié. Yes, from the job.
Donc il revient à la maison, so he came back home, tout triste, very sad, pleurant, crying. Et il vient. Sa femme court, elle vient vers lui. And his wife came toward him. Elle lui demande, chérie, il y a quoi? Said, what's wrong? Chérie, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Elle dit, ah. And she said, je viens d'être radié de mon compte. Come to be expelled from my et tout mon compte, tout ce que je possède, en vient de m'arracher aussi. Je viens de perdre tout. I have just lost everything. Je t'assure que ça sera un calvaire que nous allons really vivre. Ça sera des moments difficiles que nous allons traverser. Parce que toute ma fortune vient de partir. On a bloqué mon compte et le patron, il voit que je l'ai volé. Donc tout ce que je possède, tous mes biens, il a mis la main dessus. So he stopped everything. Il dit, mais chérie, y a pas, elle dit, mais chérie, il n'y a pas d'autre moyen. Il dit, is there another way? Je ne peux plus rien faire. Nothing. J'ai tout dit. He said je me suis expliqué par tous les moyens. He said everything. Il dit non. He said no. Que c'est faux. Les traces qu'il a vues sont moi mes traces. The trace of the artist, il faut que je sois radié. Mais chérie, nous allons vivre comment? How are we going to live? On va se chercher, hein? Chacun va sortir. So everyone. On va chercher. Les enfants sont là. Si on n'est pas sorti, so, on ne pourra rien manger. We cannot eat anything if we de quoi vont se nourrir les enfants? Elle a regardé, elle allait dormir. She went to sleep. Toute la nuit, elle a pensé. The whole night, sans rien dire à son mari. Without saying anything to elle prend son portable, elle appelle. She took her mobile phone and she elle appelle. Calling. Son mari la regarde. Il dit, her mais chérie, was looking at qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong? Quand il la touche, starting elle pousse sa main. Elle dit, ne me touche pas. Back. Do not touch me. Ne me touche pas. Do not touch me. Je croyais avoir un avenir garanti en toi. I thought that I was, je croyais avoir un avenir assuré en toi. Je croyais que je venais d'avoir l'homme de ma vie. Mais je ne savais pas que c'était encore le pire que je venais vivre dans ton foyer. So I just come to live the worst in your house here. Chérie, jusqu'à demain matin, il faut que ton patron change d'avis. Sinon moi, je prends mes clics et claques et je quitte dans ta maison. Leave your house. Prends tes enfants. Take your kids. Le monsieur a regardé. Il a tendu sa tête. He took his head. Et dis donc ce que tu dis. Attends, c'est la vérité. Tu vas me laisser dans cette situation. Je vis des moments difficiles. Tu vas m'abandonner. Elle dit, prends ton portable. Tu as le numéro du patron. Il change d'avis, sinon moi je ne me vois pas en train de traverser encore ce désert. J'ai trop vécu. Ce que je vois là, je ne peux pas. I cannot. Amen. Ok, donc le matin, le monsieur prend sa route et il s'en va faire un semblant de négociation avec son patron. Je vous assure qu'à son retour, madame a pris ses affaires et elle est sortie de la maison. Jusqu'à présent, on vous dit destination inconnue. Elle a changé de numéro. C'est fini. Alléluia. Mais c'est comme ça. Nous ne voulons pas vivre le pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre le pire. Nous voulons que ça soit toujours le bonheur, le bonheur, le bonheur. Mais il y a des situations que Dieu permet parce qu'il prépare une haute élévation pour toi. Because God, une autre bénédiction qui vient pour toi. Alléluia. Blessing for you. La femme est partie. The woman had turned away. Le monsieur est venu. And the man came. Il a regardé ses enfants. Was looking et il a commencé à sourire. He started smiling. Il dit, mes enfants, my kids, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la sincérité dans l'amour? Votre maman, elle n'était pas prête pour moi. Was not ready for me. Elle n'était pas prête she was not pour le foyer. Ready. Elle voyait quelque part une étoile qui brillait et c'est pourquoi elle est venue s'asseoir. Start shining. Elle avait that's tout en sa possession, c'est pourquoi elle est venue s'asseoir. Why she came. Regardez. Look. J'ai fait semblant. J'ai voulu voir si réellement elle était avec just moi. To see if really j'ai voulu voir si réellement elle pouvait me supporter dans mes moments difficiles. Il y a des gens qui ont été abandonnés à l'hôpital par leur femme. At hospital with, oui. Because of des gens ont été abandonnés à l'hôpital par les femmes. Elles so disent, j'étais trop supporté, je ne peux plus. Je peux encore faire ma vie devant. Je ne peux plus rester là en train de toujours te nettoyer, te nettoyer, te nettoyer. Je suis fatigué. Elles les abandonnent, elles fuient, elles changent de maison. C'est le cas de cette femme.
is it the case? Elle est partie. She went. Le monsieur a récupéré ses enfants. She left. Et leur a dit. Il a appelé son patron d'abord. Il dit patron. He called his boss first. Il dit le coup a marché. What we done was right. Son patron dit, tu avais raison. Donc il y a des moments où il faut éprouver la sincérité de celui avec qui tu vis. You must test. Amen. Il faut éprouver sa sincérité pour voir est-ce que réellement cette personne est avec toi. Est-ce qu'elle n'est pas avec toi par intérêt? Elle ne vise pas quelque chose en toi. C'est cela l'interrogation. Amen. Quand tu ne comprends plus, t'assois pour regarder, pour voir, pour vérifier si c'est vrai. Le monsieur a retrouvé son travail et il l'a repris, il a changé de maison. Parce que si elle apprend qu'il est encore dans la même maison, elle peut revenir. Non seulement il a changé de quartier et il a changé de maison, changé de numéro. Donc il avait perdu le contact avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Ça a été le cas du Job. It was the case of Job. Ça a été le cas du Job. The case of Job. Satan a dit à Dieu. Satan said to il dit, laisse-moi toucher. Lord, let me touch. Ton Job que tu dis te craint, laisse-moi le toucher. Let me touch it. Je vais toucher à ses finances. Quand il n'aura pas l'argent pour payer un mois de loyer, tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Quand il n'aura pas l'argent pour faire le marché de la semaine, tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Laisse-moi, je vais toucher à tout ce qu'il possède. Ses peu, ses maisons, toutes ses affaires, ses finances. Dieu lui a donné l'ordre. Dis Satan, ce que tu dis aujourd'hui, on dirait que c'est vrai. Je vais voir la sincérité de celui qui est avec moi. Tiens, va. Mais la seule condition, ne touche pas à son âge. L'épreuve n'est pas pour t'enterrer. L'épreuve, c'est des situations que Dieu permet. Parce qu'il veut atteindre un but avec toi. Alléluia. C'est des situations que Dieu permet. Parce que là, il a besoin de faire éclater sa gloire à la fin de cette situation. C'est bien sûr ta situation. Alléluia. Amen. Donc le serpent va venir. Satan va tenter, il va toucher à tout ce que Job possède. Il va détruire tout. Les finances de Job. Le travail de Job. Le bétail, tout ce qu'il avait, Dieu va tout, du moins Satan va tout détruire. Satan will destroy. Amen. Et même ses enfants, il a touché aussi à ses enfants. Il a tué tous ses enfants. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté là. S'il a la santé, il peut encore aller travailler. Alléluia. S'il a la santé, il peut aller encore travailler. Donc le diable va encore revenir, négocier encore avec Dieu. Il dit, c'est vrai que cette épreuve, il a réussi. Mais, laisse-moi toucher maintenant à son corps, à sa santé. Quand tu traverses un petit moment, tu pleures. Cette situation, Job l'a vécu en une journée. Tous ses malheurs sont entrés dans sa vie en une seule journée. On vient l'appeler, on dit, ta maison a pris feu, ta plantation a pris feu, tes animaux, les bêtes féroces sont entrées les manger, les gens sont venus, des voleurs sont venus entrer dans ta maison, tous tes enfants, pendant que je suis en train de faire, tel serviteur vient, il donne son explication, celui-là vient, il donne son explication, jusqu'à ce qu'il vienne maintenant toucher à sa santé. Come and touch. Job, chapitre 2, à partir du verset 3, on va voir, est-ce que tu es là ce matin avec moi? Si tu l'acclames Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Job chapitre 2 à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan. Bon, l'Éternel va dire encore à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ah oui, consider my revenu. La première épreuve, comment tu l'as trouvé? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant de tout. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme malgré l'attaque dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre. Tu m'envoies le perdre. Et Satan répondit à l'Éternel. Donc Satan va répondre à l'Éternel. Pour tout ce qui possède un homme, people, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os, touche maintenant à ses os, et à sa chair. Et je suis sûr, il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan. Donc Dieu va dire à Satan. Voici, je te le livre. Il est confiant maintenant. Je te le livre, vas-y. Frappe-le de toute maladie. Et Satan s'est retiré. Mais s'il te plaît, ne touche pas. Went out from the presence of the Lord. Satan s'est retiré, il est allé en mission encore.
Il a reçu l'ordre de mission. Alléluia. Donc il se retire, il s'en va encore tenter Job, mais cette fois-ci à sa santé. Amen. La Bible dit que ce jour-là, Job a été frappé de la maladie. Became sick. Alléluia. À tel point que lui-même il prenait des tissons pour se gratter. Ça n'allait pas. Non seulement il a perdu ses finances, il n'a plus d'argent. Il a perdu ses maisons. Tous ses enfants qui pouvaient l'aider dans les soins sont morts. Et encore vient s'ajouter la maladie. Quelle est la situation que toi tu traverses? What is the situation that you crossing? Quelle est cette situation que tu crois impossible à Dieu? What is that impossible situation? Tout ce qui arrive, du moins c'est un enfant de Dieu. To, ça doit être une réjouissance. Pourquoi? So, parce que c'est un temps qui est limité. It is et le temps qui vient, the time qui sera plus glorieux pour l'enfant de Dieu. For the son of God. Alléluia. Regarde quand Dieu t'appelle. Look, when God is calling, il te donne la vision. He gives you. Mais avant d'atteindre la vision, before reaching vision, avant d'atteindre la vision, before reaching vision, d'accomplir la vision, to accomplish the vision, il va d'abord will te faire passer par des situations difficiles. And crossing difficult situations. Pour voir si réellement just to see cette vision, really il ne s'est pas trompé en te la donnant. By giving to you. Alléluia. Parce que quelque part, la Bible dit qu'il se repent d'avoir créé l'homme. Il a dit confess. Alléluia. Donc pour ne plus se repentir, il faut qu'il te fasse passer par des moments difficiles d'abord. Alléluia. C'est suite à ces moments difficiles que tu arriveras à atteindre la vision. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Il t'a appelé. Il va te mettre à un niveau élevé. Il va te dire, regarde là-bas. Look there. Toutes les richesses que tu vois là-bas, the work that you le paradis see, que tu vois là-bas, even c'est pour toi. You have is for you. La seule condition, but the only condition, il est la vallée. Dans la vallée se trouve la transformation. Dans la vallée se but trouve la persécution. Dans la vallée se trouve la maladie qui peut te ronger. Dans la vallée se trouve toute une sécheresse. Dans la vallée se trouvent les animaux féroces pour te détruire de la vision. Le lion se trouve dans la vallée. To disturb you from your vision. Alléluia. The lion is in the valley. Dieu avait béni God Job. Blessed. Job était intègre dans la maison de Dieu. Fought, il croyait en Dieu. Integrity. Il avait la foi en Dieu. In God. Un jour, les épreuves sont entrées dans la vie de Job. Dieu voulait voir la sincérité in his life. Avec Job. Dieu voulait to voir si réellement Job était avec Job lui. Was with him. Le serpent est venu. The snake came. Satan. C'est lui a donné l'autorisation de toucher à Job, même à ses os. Il faut plus de tous les malheurs, mais s'il te plaît, épargne sa vie. Ne lui ôte pas la vie, parce que s'il ne vit plus, c'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te dis d'essuyer des larmes. That's why. Essuie tes larmes. Cette situation n'est pas pour t'enterrer. Cette situation n'est pas pour t'enterrer. Cette situation, c'est pour te faire encore. C'est pour te conduire dans une autre élévation, une autre dimension. On éprouve les meilleurs d'une école. C'est les meilleurs d'un pays qui représente le pays ailleurs en compétition. Quand on dit Jeux Olympiques, c'est les meilleurs. When we say the Olympic Games, we just take the best. On ne prend pas les plus faibles. Si tu es éprouvé, ça veut dire que tu es parmi les meilleurs. Tu n'es pas un faible. It means alléluia. You are among the best. Mais dans ton épreuve, but in your toughness, tu verras deux types de personnes qui viendront toujours vers toi. Kind of people, la première personne qui est venue, first person, au lieu de consoler Job, instead of elle a au contraire supporting Job, encouragé Job. C'était qui? Discouraged. C'était sa Job, femme. His wife. Sa femme dit mais, his wife says, regarde, look, c'est de l'hypocrisie. This is hypocrisy. Le Dieu que tu adores. Donc, false God. Comment il te donne God. Et en un seul jour, tu payes tout. And that you comment il te donne de venir et en un jour, one day, tu payes tout. Et même tes enfants. Even your children. Aujourd'hui, nous sommes sans enfants. Today we are. Mais comment toi, tu réfléchis, Job? Pourquoi tu demeures dans ta foi? Mais en c'est quelle manière d'être aveugle? Alléluia. C'est quelle manière d'être aveugle? How blind you are. Ouvre les yeux un peu. Open your eyes. Maudis-moi ce Dieu et puis si c'est la mort, va mourir. Amen. Pendant que tu traverses l'épreuve, il y a des gens pour te décourager. Toughness. Par contre, il y aura toujours ceux qui sont avec toi dans la sincérité, viendront
toujours te consoler pour te dire non, garde ta foi, persévère, persévère, ça va aller. Ce temps que tu traverses, ça va passer et tu verras que tout reviendra encore plus que ce que tu avais avant. Est-ce qu'on m'entend un peu? La Bible dit que ton ancienne postérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée semblera bien plus grande. Ce que tu as reçu par le passé, avant l'épreuve, dis à quelqu'un, c'est petit. Say it to your neighbor, c'est petit. Tu vas recevoir plus que ce que tu as reçu. Alléluia. Job ne s'est pas découragé. Il n'a pas abandonné la main de son Dieu. Job a gardé la fermeté de sa foi. Job est resté intègre de sa foi. Il dit, moi, loin de moi la pensée de maudire l'Éternel. Loin de moi la pensée d'abandonner la main de mon Dieu. Il n'a pas dit que la tempête ne viendra pas de ta vie. Il n'a pas dit que l'épreuve est épargnée de ta vie. Is out from your life. Si Dieu est pour nous, if God is for qui us, sera contre nous? We shall be against us. Never. Alléluia. C'est vrai, tu réponds personne. It's true that you are answering nobody, but we have attacks. Il y a l'épreuve qui sera contre toi. Il y a la persécution qui sera contre toi. Pour te dire, je suis contre toi. Saying, I'm against you. Job n'a pas abandonné. Job did not. Il sait que le Dieu qui l'a béni est capable encore de le bénir encore plus et de lui donner encore plus que ce qu'il a perdu. Alléluia. Donc il a gardé sa foi. Il dit, moi, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, je ne peux pas me détourner de ma foi. I cannot be disturbed from my faith. Il y a des gens qui font confiance en deux dieux. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, mais ils ont un autre Dieu dehors. Ils viennent à l'église, mais ils ont une ceinture de sécurité. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore des fétiches cachés à la maison. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore des mamettes qui chauffent à la maison. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore d'autres pratiques auxquelles ils ont placé leur foi. La Bible parle de l'intégrité de Job. Talking about integrity. La Bible n'a pas dit que Job a pointé. The Bible did not say. La Bible n'a pas dit que Dieu Job a pointé sur un fétiche. Trust on Job fétiche est ferme. Malgré qu'il était écrasé par la maladie, malgré qu'il avait perdu ses enfants, malgré qu'il avait des problèmes de finances, malgré qu'il avait des difficultés même à vivre, mais dis-moi, je demeure ferme dans ma foi. Tôt ou tard, cette tempête passera. Un vent viendra, soufflera pour moi, et ça sera un vent nouveau pour moi. Alléluia. Alléluia. Le secret. The secrets. Amen. Ou du moins, la seule manière de pouvoir vaincre l'épreuve, c'est pouvoir résister pendant la tentation. La seule manière d'arriver au bout de la vision que Dieu t'a donnée, c'est ta persévérance qui payera. Tu vas traverser des moments difficiles, certes. Mais n'abandonne pas la main de Dieu. Ta foi te poussera à posséder ce que tu as perdu dans l'épreuve. Ta foi, ta persévérance t'emmènera à posséder ce que tu as perdu dans l'épreuve. N'abandonne pas. Alléluia. On va prendre Job. Let's take Job. Le chapitre 42. Chapter 42. À partir du verset 10. From verse 10. Job 42. Job 42. À partir du verset 10. From verse 10. C'est pratiquement le dernier chapitre de Job. À partir du verset 10. Job 42, verset 10. Oui, 42, verse 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. À cause de la persévérance de Job, Dieu va le rétablir. Oui, dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu va lui accorder encore le double de tout ce qu'il possédait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux puissamment acclamer Jésus? Oui, lorsqu'on prend le verset 12 du même chapitre, la Bible dit, pendant ces dernières années, elle, Job mort, plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Au verset 17,
La Bible dit et Job mourut âgé et rassasié de jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Il y a des situations que Dieu permet. Because we want to see this is already always human. Il y a des épreuves que Dieu permet. Toughness allowed by God. Parce qu'il veut voir. Because we like to see. Qui est celui avec qui il marche? Who is the one? Est-ce qu'il est réellement avec lui? Est-ce qu'il partage réellement la même vision que lui? Really sure in the est-ce qu'il est capable? Is he able d'arriver là où lui veut? To reach where he wants. Donc il permet des situations. So, can allow pour voir ta sincérité avec lui. Une épreuve ne te conduit pas au tombeau comme je te le dis. Une épreuve, ce n'est pas pour t'enlever ton âme. Une épreuve, ce n'est pas pour t'enterrer. Une épreuve, ce n'est pas pour que tu sortes perdant. Mais une épreuve, c'est un test que tu passes parce que Dieu veut arriver à une autre dimension de la bénédiction avec toi pour voir si réellement tu es avec lui. En ce moment, il permet des situations difficiles de ta vie, telles que la maladie, telles que problèmes d'argent, telles que des blocages. Une situation que tu traverses toi-même, tu ne comprends pas. And then you don't à un understand. Moment donné, tu crois que tu penses que Dieu t'a abandonné. À un moment donné, tu as comme l'impression que ta prière ne monte plus. À un moment donné, tu as comme l'impression que les problèmes t'ont envahi. Tu n'as plus personne pour te secourir. Mais continue toujours de regarder à ton Dieu. Celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est ton Dieu. À un moment donné, tes ennemis vont se lever contre toi et vont commencer à se moquer de toi. Tu n'as pas dit tu pouvais. Alléluia. C'est comme ça. Dieu éprouve. Pour voir la sincérité just to see the sincerity de la marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui vit une situation difficile. Tiens-toi debout ce matin, nous allons prier. Mais tiens-toi debout ce matin. Stand up. Nous allons prier. We pray. Mais tiens-toi debout ce matin, nous allons prier. Stand up and then we'll pray. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es capable. Tu ne m'abandonneras pas dans cette situation qui m'envoie ici. Tu ne m'abandonneras pas dans cette situation que je vis. Seigneur, je sais que tu es capable d'opérer mon miracle. Là où l'ennemi croit que c'est fini pour moi, toi, tu as le dernier mot de ma vie. Là où l'ennemi croit qu'il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Seigneur, je sais que tu es capable de me restaurer. Je sais que tu es capable de me repositionner. Élève le bras des yeux, commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Oui, parle à ton Dieu. Parle-lui. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Parle à ton Dieu. Et tu dis, Seigneur, c'est pour moi. Ne m'abandonne pas dans cette situation. Do not give me up in that situation. Please, please, pray, pray. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Please, pray. Je vais te parler. I want to tell to you de mon père spirituel. About my spiritual, my godfather. Alléluia. Il y a eu un moment. There was a time où les gens se sont levés contre. Too many people. Il y a eu un moment où il est devenu même une émission. Chaque 18h. C'était une émission pour l'insulter. Broadcast. Just to. On dit tu es un faux prophète. Because cette année, tu tomberas. Ton ministère va disparaître. Cette année, tu ne seras plus. On ne te verra plus, on ne parlera plus de toi. Mais il n'a pas abandonné. Il dit, moi, si je ne suis pas de Dieu, si Dieu n'est pas avec moi, donc là, tout ce que vous dites,
what you are saying. Mais si réellement je suis de Dieu, God, le ministère God, pour lequel il m'a appelé, il vivra et il grandira. Je vous assure que les temps ne sont pas passés. So il s'est retrouvé that he went à l'ONU. L'ONU, c'est le monde entier. Celui qui entre à l'ONU, il a fini de parcourir le monde entier. Alléluia! C'est l'endroit où on prend les grandes décisions concernant le monde entier. Alléluia! Il n'a pas abandonné dans sa foi. Il a persévéré dans la prière. Ce matin, je vais t'emmener ce matin à comprendre que seule ta persévérance peut t'emmener à atteindre l'objectif que toi-même tu t'es fait. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont médité ma mort, mais Dieu n'a pas voulu. Ils ont voulu tout un tas de problèmes dans ma vie, mais Dieu n'a pas voulu. Goumwale waka goulofa, goumwale waka goulofa, goumwale waka goulofa, Eli alagoni brangunwo, goumwale waka goulofa. Gumale wa kagulufa, Eli ala koni bramu. Gumale wa kagulufa, wakagulufa. Gumale wa kagulufa, Joana ala koni bramu. Inani ayo, Jesus ayo, Baba ayo, Yemoso ayo. Yeah.
Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit sur...